La paix de Dieu soit avec vous. En un long texte avec moi pour aujourd'hui, samedi, qui c'est 10 eh bien, octobre 2020. Nous allons lire dans Genèse 17, verset 1er. Il dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Nda di ou matin, eh bien, gardez la ligne tracée par Dieu. Gardez la ligne bon Dieu tracée. Gardez la ligne ça. Gardez, c'est-à-dire que c'est conservé. C'est-à-dire que c'est rester dans la ligne que Dieu a tracée devant vous. Je ne sais pas qui ligne bon Dieu tracée devant, mais tout simplement, je connais. Dans la généralité, Dieu veut que eh bien, l'homme capable de vivre devant dans l'intégrité. Dieu veut que nous devons vivre dans la présence li dans l'intégrité. Nous devons droite. Nous devons mener une vie qui intègre devant Dieu. Nous devons mener une vie qui sanctifie devant Dieu. Même Jean lui dit que, eh bien, même Jean et papa, les saints, nous-mêmes tous, nous devons être saints. Maintenant, moi-même avec vous, nous besoin rester dans la ligne. Nous avons besoin de rester pour nous pas traverser maintenant les limites. Nous. Parce que, en tant que chrétien, eh bien, nous avons des limites devant Dieu. Même Jean Dieu, lui-même tout, les gens bagages, il pas capable de faire en tant que Dieu. Si li ta fè yo comme li pa ka fè yo dans sainteté li ta suspend Dieu. Bon Dieu pa ka fè bagay ki mal, bon Dieu pa ka péché. Eh bien l'homme lan tout, l'homme lan li gen des lignes qui tracé devant lui que Dieu li établi. Eh bien l'homme lan li doit mener une vie qui conforme avec la parole de Dieu. Nous doit garder ligne bon Dieu tracé devant nous. Nan ministère nous. Nous devons mener travail dans le ministère avec intégrité, avec dévouement, avec droiture, avec eh bien tout capable dire les éléments nécessaires que la parole de Dieu lui mettait à la disposition nous pour que nous fassions travail nous bien devant Dieu. Nous pas devons travailler avec la médiocrité. Nous devons travailler devant bon Dieu avec toute sagesse nous, toute intelligence nous, toute compréhension nous, tout bon sens nous. L'Éternel dit Abraham, moi c'est bon Dieu qui a tout pouvoir. C'est moi-même qui bon Dieu tout puissant. C'est moi-même qui bon Dieu tout puissant. Mais moi veux que vous marchiez devant moi dans intégrité. Moi voulais que vous marchiez devant moi droite Abraham. Et nous songez qui va aller route bon Dieu t'a fait avec Abraham parce que Abraham t'a marché dans l'intégrité avec Dieu. Mais ça pas dit pour autant Abraham n'est pas commettre des bêtises. Abraham t'a commettre des gaffes devant Dieu. Nous songez et des histoires que Abraham et il t'est arrivé maintenant et a cherché postérité jusqu'à ce qu'elle t'apprend le fait petit à Sarah. Or, l'Éternel t'est déjà averti, il t'est déjà prophétisé by Abraham, t'est déjà bal promesse que l'a gagné une petite entraille li ka peritiel. Tout ça ce sont des gaffes. Nous songe Abraham descend en Égypte pour aller manger. Tout ça ce sont des gaffes. Mais ou pral joine Abraham ressaisi li. Maintenant si ou t'a tombé, eh bien, me conseille pour ressaisir. La parole de Dieu lui dit que eh bien et si les justes tombent, il n'est pas terrassé. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça qu'arrivé ou bonché, mais pas arrêté à terre. Chrétien pas gain pour planifier le mal, pour le faire. Chrétien pas gain pour lui persévérer dans le mal, chrétien pas gain pour lui vivre dans l'iniquité. Chrétien pas gain pour lui persévérer dans le péché. Oh, la parole de Dieu pas même veut chrétien péché.
comprenez? Bible a dit nous puis gars nous péché. Mais il dit si toutefois nous t'a péché, mais nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous, qui plaide pour nous, c'est Christ crucifié à la croix. Accidentellement, si chrétien péché, il y a une possibilité pour lui reprendre lui par voie de la repentance et l'abandon et même la restitution tout dépendamment de ça qu'il fait. Gardez route qui tracé devant là. Route bon Dieu tracé devant là, route droite là, route intégrité là. Gardez-le, fixez-le. Marcher selon tracio, pas marcher selon les convoitises de la chair, pas marcher selon les désirs de ce monde, pas marcher selon maintenant et volupté mondaine, mais marcher selon le principe que Dieu établit devant vous. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur ce matin, moi je veux comprendre que vous devez vivre pour faire bon Dieu plaisir. Vous devez vivre maintenant pour plaire à Dieu. Vous devez faire par rapport au plaisir. Ce n'est pas l'homme pour faire plaisir. Vous devez vivre pour eh bien, satisfaire Dieu. C'est nos principes Dieu établi. Mais je vous dis, ah, ouais, souvent, mon l'église, yo paie l'homme. Yo pas de craintif pour bon Dieu, vraiment. Nous, on a suivi l'église. Gensey des principes yo mette l'église des hommes l'église qui mette yo ou après moun nan li prêt pour pas et bien piétiner principe ça li prêt pour pas faire parce que c'est l'homme qui établit ça mais bible a dit le pas fait tel bagaille ou elle fait le matin elle fait le midi elle fait la soirée d'ailleurs mais connait est-ce que c'est l'homme qui observe ou bien est-ce que c'est Dieu qui observe volonté qui laisse ou décide faire. Est-ce qu'on décide de faire volonté Dieu ou bien volonté de l'homme? Eh bien, nous devons garder ligne, bon Dieu tracé devant nous. Nous devons vivre dans l'intégrité des cœurs. Nous devons vivre dans l'harmonie. Nous devons vivre pour nous faire bon Dieu plaisir. Nous devons marcher selon les principes que Dieu lui établit. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, je ne vais pas laisser pour me dire, garder limite tout dans bon Dieu. Chrétien pas ka faire n'importe bagay. Chrétien pas ka di sa vle. Chrétien pas ka aller côté le vle. Chrétien li pas capable et bien penser n'importe comment. Parce que chrétien c'est un esclave de Christ, un esclave de Dieu. Nous devons vivre pour nous faire bon Dieu plaisir. Gardez ligne bon Dieu tracé devant là dans famille ou même chef de famille ou même bien chef de ménage ou même maman ou même papa ou même petite. Ou même religieux, prédicateur, pasteur, pas qu'on est diacre l'église, ou même qui n'a sacerdoce. Gardez ligne, bon Dieu, tracé devant là. Jeune garçon, jeune fille, qui l'église, monsieur marié, madame marié, gardez ligne, bon Dieu, tracé devant là. Chrétien, ma parole avec vous-même, gardez ligne, bon Dieu, tracé devant là. Vous va gagner la vie qui pas jamais finir. Et bon Dieu, pas jamais bouquet, pas béni ou. Bon Dieu, pas jamais bouquet, pas marcher avec vous, pas récompenser ou. Parce que Dieu, lui prend plaisir dans ça qui bien, dans ça qui doit. Et moun qui a fait ça qui bien, qui a fait ça qui doit, yo. Bon Dieu, a toujours avec vous, l'a toujours gardé. Que Dieu vous bénisse, c'est qu'il en soit ainsi.